بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من جميع الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui, comme d'habitude, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de mathématiques. C'est une leçon destinée aux étudiants et aux étudiants de la troisième année enseignement cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Mathématiques, troisième année, cycle collégial, les racines carrées. Toujours, on est dans le chapitre numéro 1, hein, page 22. Page 22, il s'agit des exercices d'application. Ou bien un exercice d'application. C'est un exercice. Combien d'exercices on a? Oui, ce sont des exercices d'application. Nous avons l'exercice M, N, O et P. Quatre exercices. Alors, premièrement, M est égal à la racine de 4 plus... la racine de 25. La racine de 4 plus racine de 25. C'est comme ça qu'on prend. Je répète. La racine de 4 plus la racine de 25 est égale. La racine de 4 plus... quelle est la racine de 25? C'est 5. Donc nous avons la racine de 4 plus 5 égale la racine de 9. Quelle est la racine de 9? C'est 3. Donc voilà la solution de l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. N. La racine de 2 plus, hein, nous avons la racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 4. Alors, est égal la racine de 2 plus la racine de 2 plus la racine de 4. Alors, la racine de 2 plus, quelle est la racine de 4? C'est 2. Donc, nous avons la racine de 2 plus 2 égale la racine de 4. Et nous avons racine de 2. Donc, est égal racine de 2 plus racine de 4. Quelle est la racine de 4? C'est 2. Alors, on écrit la racine de 2 plus 2 égale la racine de 4 qui est égale à 2. Qui est égale à 2. Voilà l'exercice numéro 2, N. Or, la racine de 3 moins 2 racine de 2. La racine de 3 moins 2 racine de 2. Fois la racine de 3 plus 2 racine de 2. Alors, nous avons ici A moins B facteur de A plus 2. Nous avons la forme, l'identité remarquable. A moins B facteur de A plus B. Donc, est égal à la racine de 3 moins 2 racine de 2 multiplié par racine de 3 plus 2 racine de 2. On a la forme de A moins B facteur de A plus B qui est égal à A au carré moins B au carré. Donc, est égal à la racine de 3 au carré moins 2 racine de 2 au carré. Alors, la racine de 2, la racine de 3 au carré, c'est 3, c'est 9. La racine de 3 au carré, donc c'est 9. La racine de 2 au carré, la racine de 2, racine de 2, pardon. La racine de 2 au carré est égal à 2 multiplié par 2 au carré multiplié par 2. 2 au carré qui est égal à 4, multiplié par la racine de 2 au carré qui est égal à 2. Donc 4 fois 2 égale à 8. Et 9 moins 8 égale à la racine de 1 qui est égale à 1. Donc voilà l'exercice O. L'exercice P, nous avons racine de 3 sur racine de 5 plus racine de 5 sur racine de 3. Alors, nous avons le dénominateur, c'est un nombre, c'est une racine, hein, c'est un nombre, une racine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, se débarrasser de la racine. Ça veut dire écrire le nombre sans racine. Écrire le nombre sans racine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais multiplier la racine de 3 sur la racine de 5 par la racine de 5. Et je vais multiplier la racine de 5 sur la racine de 3 par la racine de 3. Donc, il est égal racine de 3 sur racine de 5 multiplié par... racine de 5 sur racine de 5. Donc, racine de 3 multipliée par racine de 5. Et racine de 5 multipliée par racine de 5. Plus la racine de 3 sur la racine de 5 sur la racine de 3. Multipliée par la racine de 3. Et multipliée par la racine de 3.
Alors, est égal. La racine de 3 multipliée par la racine de 5 est égale à la racine de 15 sur la racine de 5 au carré. Plus racine de 5 multipliée par racine de 3 est égale à la racine de 15 sur racine de 3 au carré. Alors, on a la racine de 15 sur 3 sur 5. La racine de 15, quelle est la racine de 5 au carré? C'est 5. Donc, la racine de 15 sur 5 plus la racine de 15 sur 3. Voici. La racine de 15 sur 5 plus la racine de 15 sur 3. Alors, est égal. Nous avons ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Nous avons une somme. A sur B plus B plus C sur D. Alors, je vais multiplier. Alors, nous avons le produit sous forme d'une croix. Voilà. 3 multiplié par racine de 15 plus 5 multiplié par racine de 15 sur 5 multiplié par 3. Alors, nous avons racine de 15, c'est le facteur commun. Donc, on va écrire 3 plus 8. 3 plus 5 égale à 8 racine de 15 sur 15. Donc, voilà le résultat final. 8 racine de 15. 3 plus 5, 8 racine de 5, racine de 15 sur 15. La racine de 15 sur 15. Bon, voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Je pense que vous avez bien compris comment calculer les racines, faire la somme ou bien le produit, etc. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo.